80 km/h, ça veut dire qu'on fera rouler tout le monde au même pas que les camions. C'est extrêmement dangereux. Concrètement, ce qu'on a demandé avec l'ensemble des responsables départementaux, c'est qu'au lieu que la mesure soit prise à Paris, elle soit prise sur le terrain. C'est-à-dire qu'à l'échelle de chaque département, il y a un comité qui associe les usagers de la route, qui associe les élus, qui associe le préfet, et qui puisse définir ensemble les tronçons sur lesquels il y a vraiment des dangers. Et sur lesquels, là, on est d'accord pour passer à 80 km/h. Mais que sur les autres, on laisse la liberté. Qu'est-ce qui sauve des vies ? C'est d'investir sur les routes. C'est de les sécuriser. C'est de mettre des glissières, des créneaux de dépassement, d'améliorer les virages. Ça, c'est ce qui sauve des vies.